Bah, vu qu'on a fait des 5 étoiles quand même, et que le 4 étoiles était un peu décevant, on va tenter le Origins, qui était là depuis le début, mais qu'on n'a jamais fait parce que c'est un 5 étoiles, et du coup ça fait peur. Allons-y! Plus rien ne nous retient. That's Alexander's voice. What could be wrong? Tell me, when and where were you born? Oh, so then you are from the same place as me. Alexandre, c'est une baleine, ça. Whoa, wait, I know you. Come to think of it, even back then you used to tower over everyone else. You don't remember? You came and challenged me so you could be next in line for the throne. But of course, my mother's chains didn't stop me from winning. I toppled you even though you were hundreds of times bigger. What a state we left that part of the palace in. They were cleaning that mess up for quite a while. Well, don't sound so surprised. You know, this world you're in is a part of me. Oh, now I see. The summoner who brought you here so long ago was similar to Lon and Rain, someone who had inherited some of my power. The bloodline of Grimoire's first summoner has been so busy. Those Farnas. There are so many like you in this world now. There's Eden of Balam, then there's the Lute of Ragnarok, the Midgardian Ormer, there's you, of course. And who else? Hmm? What do I want with you? Actually, I'm not here to see you. I'm here for the one hiding in you. You there! Show yourself! I see you're making yourselves at home over there. Oh well. Champions will show up there in due time. Just like they have here in Grimoire. Lon! Rain! What the? Okay, it's all yours now. Mais il a l'air grand, lui. And a crow? But how can... When did you... I guess it must be the most powerful Cogna in Grimoire right now. Ah. You don't even know! This world looks to the two of you as its saviors now. Go make us proud. But what are we doing? Hey! Come on! Ok. Ok, on a perdu. Dude, we totally did not come prepared for this. Xenomega. Alors, on est sur du Foudreo. On va garder l'épée pour soigner, bien entendu. Voilà. On va mourir. 74. Il me one-shot pas. Mais je lui fais pas de dégâts. Je fais 200 tics. C'est ridicule. Ah non, c'est chaud. Oh non, là. Oh, c'est pas possible. Mais même lui, il me one-shot pas. Hein. Ça, c'est bon à savoir. Je veux dire. Pour notre niveau, je pense qu'on est vraiment. Vraiment très très fort. Oh, on va y arriver. On va être 10 ans. J'ai encore envie. Putain, j'ai rien fait encore. Ah, j'ai passé. Pas de soucis. J'utilise des potions. Par 200 PV, je l'aurai. Aucun problème.
Putain, mais le mec... mec, il a des ailes et des épées et tout. Le gars, il va me faire une attaque spéciale, ça va one shot. Pression d'être dans Xenoblade. Ou dans Gundam. Ah, il y a un petit peu de noir hein, dans sa barre de vie quand même. On aura réussi au moins ça. Ouais bon, c'est mort. Ça mettra 10 ans. On était pas préparé pour ça. Hein. Allez, le mec a foutu vraiment aléatoire. Non, c'est clairement pas. Dernier recours! Combat extraordinaire! On a sauvegardé avant, non? J'espère. L'équipe est vaincue. Eh ben, heureusement qu'on n'y a pas été avant. Mais même là, on y a été un peu tôt. Oh non, faut farmer et tout exprès, je pense. Oh, j'ai gagné un objet. Prisme de tête de golem. Qu'est-ce que j'en fasse? Ok, bah très bien. Pas de soucis. On revient ici, on va aller à la boutique, on va aller... Est-ce qu'on va au Colisée? Je sais qu'on y avait été avant de faire les quêtes. Je sais plus combien de niveaux on a pris vraiment en faisant les quêtes. Je sais pas à quel point ça vaut le coup. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir, juste pour voir si on n'a pas débloqué des nouveaux combats à notre niveau. Peut être intéressant. Fusion. Ouais. Ouais. Extra. Vent. Bannissement, je sais pas ce que c'est. Ok, ok. J'hésite à prendre limite un extra foudre. Mais bon. Thank you. Plaisir. Allons faire un tour au Colisée pour voir s'il y a des trucs intéressants. Il faut arrêter la session là. Avec quel level 51. Se battre au Colisée. Oh bah, il y a des combats qu'on peut faire. Magie de terre, c'est pas mal ça. Sinon, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Ah oui. Golem ravageur. Ah, Bismarck. Il est là. Faut aller là pour le capturer, j'imagine. Ok, ok. On a quelques combats. 1, 2, 3, 4. 4 combats. Une noix de bonus de précision. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse vraiment une noix de bonus de précision? Je pense pas, mais bon. Alors, on va quand même tous les faire, je pense. Begin. Au cas où ça débloque d'autres trucs, on sait jamais. Ouais.
je sais plus trop, les Pampas. Les Pampas. Les Tambéry. Contre quoi c'est fragile. La glace. Si c'est la glace, je suis béni. C'est pas la glace. Pas du tout. Ils font mal. C'est interdit de faire aussi mal. Ok. On est encore en vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Ok, un en moins. Ok. Un petit peu chaud. Court mais un peu intense quand même. Loi de bonus de précision. Là, on est content. Ensuite. Les habitués de la série. Alors, point faible, excellent. Ok, cool, ça va aller vite. Ah non, ça va. Ça va, c'est 1000 épines et pas 10 000. Et bam. Une loi de bonus de rapidité. C'est à nous, c'est gagné. A plus le droit de nous le reprendre. Nous remporter en haut. Les trucs non remportés sont censés être en haut là, je comprends pas. On va faire ça et puis. Alors. Let's begin. Méga glace, on essaye tout à l'heure. Ah, il résiste. Salaud. Vous avez pris toutes les contre-attaques du monde, par contre. Ce qui est plutôt pas mal. La cage. Ah, l'équilibre. Et bam. Oh, on peut en capturer un. C'est fou ça. Et voilà. Encore un combat. Une loi de résistance à poison.
Pas au poison, à poison. Équipe marron. Magie de terre, ça c'est très bien. Agilite. Let's c'est ce begin. Qu'on veut. Tantôt la glace. Super. Excellent équilibre. Tous les qui sont pris. Équilibre exemplaire. Dans leur pyramide. Quand seulement à être amorcé. Va être pire. Faut que je prenne plus d'objets contre la confusion par contre. On va en racheter après. On va en racheter tout de suite. La magilité d'Etero. Gladiateur. Ah oui, parce qu'on a fait beaucoup de combats. Farewell. Bon alors. On va revenir au Nofrena. On va racheter des objets. Et je pense qu'après, on va arrêter la session. Et la prochaine session, on va partir à la suite de l'histoire. Il y a énormément de contenu qu'on n'a pas fait. Donc on n'est peut-être pas tellement à la fin de l'histoire. Pas autant que je ne le crois, en tout cas. Parce que pour moi, là, on est en train de partir vers le dernier donjon, mais en fait, peut-être que pas du tout. Dans tous les cas, je pense que cette grosse pause pour rattraper un peu de contenu de l'arène, mais surtout beaucoup de contenu de la fille qui a oublié son nom, ça nous aura pas fait de mal. En termes de récupération de... Récupération de... d'items, tout ça... Un petit peu d'XP sans plus. On va faire un peu de sphérié d'ailleurs. Sur cette musique. Oups. J'ai rien fait. C'est pas moi. Sphérié. Un petit peu de sphérié là, ça fera pas de mal. Pa-la-pa-pa-pa. C'est quoi niveau 30 là? Accès aux sphériés de Mega Noctis Scale. Ok, pas de soucis. Mega Noctiscale. Ça a l'air impressionnant. Pa-la-pa-pa-pa. Pa-la-pa-pa-pa. Lui, on sait toujours pas ce que ça devient plus tard. C'est quand même fou. Peut-être le transformer en géant de chrome, du coup.
Ah, je peux avoir Tiamat. Tiamat! Brume acide. Dégâts magiques d'eau réduits à défense ennemie. Augmente les dégâts des compétences de l'élément vent. Dégâts magiques de vent. Tiamat. Peut-être utiliser Tiamat. Ah, c'est pareil. Hein. Va accéder à des sphériers ou des machins. Hein. Tout pris là-dedans aussi. Plus de force. Ok. Une nouvelle Mirlite. Puis voilà. Super. Donc allons jusqu'à la porte extraordinaire là. Allez, je voulais voir aussi mes métamorphoses. Ouvrons la malle. Ouvrons la malle. Métamorphose, tout ça. Nag blanc, Fenrir, Cerber. Ah, c'est vrai que je peux avoir un extrême Cerber. J'utilise le Nag noir, c'est ça le problème. Ça suffit. C'est vrai que j'ai pas utilisé les méga évolutions jusqu'à présent, c'est un petit peu dommage. Ouais. Lui, je pense qu'il est pareil que l'autre. Ouais. Et ici, c'est un peu la même. Ok. D'accord. Tiamat, c'est un grand. C'est un grand Tiamat. Ah, c'est lui. C'est lui. Ok. Géant de chrome. Ouais, donc rien de... Rien d'extraordinaire. Donc ouais, je pourrais avoir un Cerber, mais... Faudrait que je mette autre chose sur ma tête, quoi. Donc à voir. À voir si le besoin s'en fait sentir. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on ait toute une option que j'utilise pas actuellement. À savoir les méga évolutions, mais... Enfin, les méga mirages. Mais ouais... J'ai pas vraiment envie de sacrifier de très bons éléments. Tu vois, c'était mon mug encore, je dis pas. Mon Tiamat. Si ça avait été un extrême, je l'aurais pris, quoi. Mais là... Bref, on a deux étoiles. Je pense que prochaine session, on va avancer dans l'histoire. Et puis on verra bien où est-ce qu'on en est véritablement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu qu'on n'a pas fait pour quelqu'un qui est censé être à la fin du jeu. Donc peut-être qu'on n'est pas vraiment à la fin du jeu. On aura un autre plot twist, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur notre mère, notre pseudo-sœur et tout ça, donc à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de World of Final Fantasy.
Et comme l'accoutumé d'ici là, portez-vous mieux. Bye.